salut, je m'appelle Lolita Dandois et cette semaine, en fait, je vais être votre reporter mode et beauté pour PNG Beauté et Soins. Donc, je vais essayer de vous faire découvrir la semaine de la mode sous un autre angle. On va faire des interviews backstage, on va rencontrer des designers, puis on va aussi rencontrer des fashionistas qui ont des super beaux looks aussi au niveau du maquillage et de la coiffure. Donc, j'espère que vous allez aimer découvrir la semaine de la mode sous cet angle. PNG Beauté. J'aime vraiment ton maquillage. Je me demandais si on pouvait s'en parler un peu. D'accord. Oui. Parfait, oui. Donc, je vois que tu as fait un smokey eye un peu brillant. Est-ce que tu peux me dire un peu qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Bon, premièrement, j'ai une couleur assez foncée. Alors, moi, mes teintes sont toujours dans le doré, abricot, olive. Alors, pour cette soirée, j'avais envie d'aller avec quelque chose de plus mystérieux, un peu plus dramatique. Alors, oui, j'ai du doré, il y a du charbon, il y a un peu de brun. Et voilà. Aujourd'hui, je suis là pour faire des beauty street style pour PNG Beauté et Soins. Donc, on fait plein de petites vidéos. Je suis très contente que tu viennes nous parler un peu de tes inspirations. Donc, dis-nous un peu, qu'est-ce qui t'a donné envie de porter des lèvres colorées comme ça? J'avais envie de porter les lèvres vraiment punchées. Puis je trouvais que c'était parfait avec la semaine de la mode. Puis justement, pour le printemps, ça va vraiment être une grande tendance. Le look, les couleurs beauté très, très vibrantes. Bonjour, je suis avec Denis Binet, qui est donc chef coiffeur pour la semaine de mode de Montréal. Bonjour Denis. Bonjour Lolita. Je viens de parler avec Nadia Toto, qui nous a dit que vous avez eu une très très belle collaboration ensemble. Est-ce que tu peux nous dire ton côté des choses? Ben oui, ben déjà j'ai été ravi déjà de travailler avec Nadia Toto parce que c'était déjà une designer que j'apprécie énormément. Elle m'a montré toute sa collection et vraiment j'ai été ébloui. Ce noir, ce blanc, enfin plutôt ce crème, des couleurs précises, du tricot, des plumes, ça m'a beaucoup inspiré. Et ensuite par rapport aux cheveux, bon, elle voulait quelque chose qui... Ses mots c'était l'oiseau, la Russie, le voyage, féminin mais en même temps un petit peu rebelle. Bonsoir Amélie. Bonsoir. Donc, comme un peu avec Denis, j'aimerais ça que tu nous racontes comment fonctionne ta collaboration avec les designers, dans ce cas-ci avec Nadia Toto. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton travail ici pendant la semaine de la mode? Je pense que c'est quand le show débute. C'est vraiment l'adrénaline du backstage, juste avant que le show commence. On voit toutes les filles maquillées, coiffées, habillées. C'est là que toute la récompense se trouve parce que c'est le look final. Est-ce que tu peux un peu nous parler justement de ta collection? Travailler la laine, j'ai fait des tresses, j'ai fait des franges en laine. Les franges est un signe de ralentir le temps.